Bien bonsoir messieurs dames, aujourd'hui je deviens joueur professionnel. Pour ceux qui s'en souviennent, il y a de ça un an, j'avais tenté l'expérience professionnelle lors d'un match d'entraînement que l'on appelle un scrim. Le niveau est zinzin et aujourd'hui on va tenter sur Counter-Strike 2. C'est sans doute le jeu le plus difficile, je sais pas ce que ça va donner. J'ai contacté une des meilleures équipes françaises, la 3D Max. Voici notre line-up. Maka, le sniper et leader in-game, la tête pensante de l'équipe. Joko, l'entry-fragueur, celui qui ouvre les sites en attaque exercice. Le second, il va venir épauler Joko sur les offensives. Lucky, la deuxième voix de l'équipe, le joueur avec le plus d'expérience. Et Adji, c'est plutôt le lurker, celui qui va contourner les ennemis. Bon, lui, désolé, mais je vais piquer sa place. Bon, là, le niveau est très élevé. Pour vous donner une idée, c'est une équipe dite de Tier 1. Du gratin quoi, c'est le top du top. Ils se sont récemment qualifiés au RMR du Major Copenhague 2024. Ce qu'on appelle les Majors, c'est le plus gros tournoi de l'année sur Counter-Strike. C'est un peu comme la Coupe du Monde pour eux. Et le RMR, c'est la dernière étape à franchir pour accéder au Major. On leur souhaite bon courage. Bon après, je veux dire, s'ils montent dans leur équipe, c'est free win. N'hésitez pas à les soutenir sur les réseaux. En face, nous aurons l'équipe d'Adeps eSport, qui eux aussi sont une équipe full française, avec des joueurs plus jeunes évoluant en ESA Main, la troisième division du circuit professionnel de Counter-Strike. Un seul match dans lequel je vais devoir adapter mon jeu, réussir à jouer avec les joueurs pros, et on verra ce que ça donne. Ah là, c'est pas un petit matchmaking à l'ancienne, tranquille, non, non. Il y a des risques que je me fasse défoncer. Et je suis peut-être pas professionnel, mais moi, j'ai un sponsor. Vous le savez, c'est Elkaze qui m'accompagne sur toutes les vidéos Counter-Strike. Elkaze, c'est le site de case opening pour CS2. Il y a même ma propre caisse, Cyril MP4. C'est disponible via le lien dans la description. Et avec mon code, vous avez 70 centimes offerts et 10% de bonus en chargement. Avec le Major qui approche, il ne faut pas hésiter. Il y a pas mal de promos sur le site actuellement. Plein de nouvelles caisses sont disponibles. N'oubliez pas de participer aux événements gratuits. Et surtout, avec le code, bah, vous pouvez déjà offrir des caisses gratuitement sur le site maintenant. Là, j'ai quelques secondes, quelques minutes. Je vais m'échauffer un petit peu les poignets. Ok, maintenant je vais rejoindre la 3D Max et on va tout simplement prac une petite demi-heure, 40 minutes. Ils vont me montrer un peu différentes stratégies pour rentrer sur les sites ou pour les défendre, pour m'adapter un petit peu à leur jeu. On verra ce que ça donne. Bonjour messieurs. Salut. Hello. Hello. C'est ici pour se battre. Exactement. On va essayer du moins. Go leur rouler dessus. Bah go s'entraîner. Donc là vous voulez quoi que j'aille sur B? En fait ouais. Je veux jouer sniper, c'est ça? Bah je pense que c'est le plus simple. Pour moi le sniper c'est facile quoi. En vrai Thomas tu veux mettre des specs et tu fais le tour des noms de position déjà. Ok. Alors sur Anubis, bah de toute façon tu l'as déjà joué cette map quand même. Ouais bien sûr. Deux, window, port, caméra, temple, on appelle ça triangle, ça s'appelle le plateau. La cave, tu vas faire tes trucs agressifs, okay. Qui va être middle, il va flash pour toi, tu vas décaler là au sniper, tu vas tuer un mec ici, tu vas reculer, tu vas faire ça, hop, no scope okay. Ici. Là je peux te dire que mon cerveau il est en train de brûler. Mais c'est super important pour moi de voir un petit peu comment ça va se jouer. C'est quand même très différent de ce qu'on vit en matchmaking, et là on a un niveau vraiment au-dessus. Je dois comprendre quels sont les smokes probables, les molos, comment je vais pouvoir jouer, me placer. J'ai que quelques minutes, mais ça devrait le faire. Où est-ce que tu veux que je joue en B en défense de base? Toi, techniquement, tu remplaces le pote qui est avec moi en B. Je pense que tu vas jouer un peu partout. Ouais, à un moment donné, on va te dégainer la map. Si tu veux start en B et tenir cette ligne, tu viens. Bah, je vais jouer un peu, ouais, je vais bouger à chaque fois un peu de pause pour essayer de prendre le pic. Ok, donc je pars du principe que je suis un peu libre. Voilà. Parfait, ça me va parfaitement. Après, on va te tester riff aussi, hein. On va te voir à la canne, moi. Bien sûr, bien sûr. En plus, j'ai vu que t'avais une AK en or là. On est bien équipé. Je me sur le sujet, mais. On a les sponsors qu'il faut. On fait les paris. Vous pensez je fais combien de kills à la fin de la game? Exé combien de kills? 9, oui, c'est bien. Ok, 9 kills pour Exé. Gotesk? Moi j'ai dit 12. Donc toi 12. Joko? 13, comme Marseille. Ok, Lucky? 10. Eh, c'est un peu pessimiste quand même, je trouve. Je suis... Maintenant, on va faire quelques petites simulations d'entry et de défense. Donc on va voir comment ça se passe. Mais globalement, je vais me faire défoncer. Mais au moins, ça me permet de voir comment ils vont jouer en face et d'adapter aussi un peu mon jeu. Je sors la dragon! Techniquement, je peux que gagner. On va faire comme si c'était un vrai rune. Vas-y. Ouais, la pression. Je suis bon. Vas-y. Mais du coup, je peux pas faire de call. Hein? Et bonsoir. Attends, on la refait. J'ai un problème avec mon coéquipier là. Ah ouais. T'inquiète, j'ai les mêmes problèmes avec lui. En fait, c'est juste, je voulais lui dire de me booster en mettant le ping. Sauf que si je te le dis, si je le dis à l'oral, ils le savent. Donc, je vais me prendre une tête instant. Et si je la joue avancée, tu penses qu'il mollo aussi? Ici? Je vais tenter voir. Ouais, je pense qu'ils vont mollo. Mais... Ouais, il la mollo, ouais. Ce qui va vraiment me perturber, c'est le stuff, parce que je sais pas si ce soit autant stuffé. Oui. C'est vraiment ce qui va se passer en ouais, game. Mais c'est bien, au moins là, ça me prépare un peu. Donc là, on joue le B. Donc là, on joue le B. Ok. Donc toi, tu prends une visu ici, là. Ouais. Ouais, côté plateau, je pense que c'est plutôt pas mal.
Il me smoke. Ah ouais, c'est des gamins. Ah, c'est pas plus mal. Ah ouais, putain, c'est bien smoké. Hein. Ah, c'est des gamins, ils ont fait la prise la plus. Ah, c'est bien. On va tenter un truc en live, on s'adapte. Attends, on va smoker la rombée, viens, cave. Attention devant toi. Avance. Ouais. On rentre dedans, on va faire la rombée. Ah, y'en a encore, y'en a encore. Je crois qu'il y a plus un cave. Hein. Les deux sont en B. Ah, les deux sont en B. Ils vont sortir là. Vas-y, encore un. Tranquille, tranquille. Ça tient. Oh, le bâti. Ouais, en fait, là, ce qui est vraiment fou, c'est le, bah, c'est les stuff qui me surprennent parce que je suis en mode, oh putain, j'ai jamais vu ça. Donc, il faut que je me réadapte. Je suis en mode, je ne connais pas cette situation. Messieurs, dames, il est temps de lancer le match français. Que la guerre commence. On va voir ce que ça donne. Allez tuer les deux caves ou piquer l'eau. Attention à la confiance, si on pique et que je lose. Non, non, t'inquiète. Prends cave et cours en verre. Tu veux piquer water? Ouais, si, ouais. T'es prêt? Rien. Ouais. 3, 2, 1. Dans GB. Attention en B du coup. Dans GB. Passe plateau ou tu te sens à l'aise là, voilà. Ok. Par contre j'ai pas water s'ils viennent. Ouais c'est pas grave, regarde. Moi okay. je l'ai encodé pas d'ici. Okay. Okay. Parti terre, solo. Ça, ça pue le B. Deux je pense. Ah, water, water. Décale l'eau. Wouah. Aïe aïe aïe. Coup dur. J'ai pris une de ses têtes. On force. Ouais. Allez ça part. En mode bonhomme. On va agresser le B, je vais mettre des flashs, t'as juste à regarder devant toi et tu pourras et tu suis tout. On va. Ok, donc là on force, donc on achète malgré la défaite. On entend rien qui avance pour le B, on va quand même y aller. Vas-y, flash. Deux flash. Je vais décaler large, c'est. Blanc. Ah, y'a rien. Tapez devant nous, fais gaffe. Ah, mon B qui reprend en slow. Ah, ok, il me court dessus. Putain, du B, je pense. On joue les exits. Ouais, je vais venir sur toi là, deux mecs. Début difficile. Bon, petit écho. Une petite écho, ça c'est aussi bonheur la chance. Bah, comme je t'avais dit, Cyril, ils mettent beaucoup de molo. Ouais. McTen, hein. Il prend pas d'espace. Un top mid. Deux top mid. Deux mid. Ils prennent la double porte. Ils vont venir devant toi là. Peut-être window. Ouais, dans la window. Deux mid, toujours. Ah, il a pris une tête mid. Ah, ils sont chauds, ils savent exactement où je suis. J'ai mis une tête, mais. Allez, il est tout seul, là c'est 1v4. Il peut juste peut-être prendre un kill, peut-être essayer de tuer celui à qui j'ai mis une tête. Attention, bruit de l'arme, ça prend le deagle, ça va jouer water. Là, la bombe elle est plantée, donc il faut juste jouer l'exit. Il faut essayer de faire tomber des armes en face. Il y en a un, il l'a entendu. Il a sauté. Ah, il sait. Allez, ça part de là. Vous voulez que je joue? Je peux aller en B, prendre la ligne qu'on disait là depuis spawn CT. Je suis blanc. Une smoke d'infiltration. Je vais la casser la smoke. Vas-y. Je la casse. Non. Nice. Un cap qui sort. Un cap qui sort. Il y a un room B. Un room B et un cap. Nice. Je suis avec toi. Il y a un mec plateau à ta gauche. Et j'ai pas encore triangle dans 5 secondes. Fuck. Ouch. Allez, ça joue, c'est 2v1. C'est maintenant qu'il faut revenir. Il nous faut le 3-1. Il est derrière la smoke. Ça peut le faire. Ils sont à 2. Il s'infile dans la smoke. Il a l'avantage. GG. Ah, voilà. Vas-y viens cave et on va faire le truc qu'on t'a dit je peux casser la smoke et tu vas tenir la ligne. Ah, ils mettent pas smoke cave. Y'a rien, tu peux décaler. J'ai rien. T'as du mid, ça mid. Mid, 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 mid. Ouais. Street ça pêche. Ouais. Ça se péta, ça se péta rapide là. 2-2-2, encore un. Je décale. Attention en série, il y a peut-être un mec qui traîne de l'homme. Défaut en hauteur. Défaut le HP et hauteur, je close à vous. Il va devenir dans les escapes pour toi, je crois. Bien joué. Ils ont eu peur de toi. Bien sûr, bien sûr, la Dragon Lore qui fait peur. Le cri redoutable. Là en face, ils vont être au pistolet. C'est bien quand t'es là, c'est de prendre des lignes un peu passives parce que genre c'est dur de s'extraire s'ils te courent dessus, quoi. Tranquille, quoi. Jouer mid, là, on peut changer. Ouais, vas-y. Ouais, tu peux aller mid. Y'a du monde en B, le chat. Non, y'a chat. Low window. Le smoke la factor. Nice, nice. Et c'est le kill qui a été pris, le pic. En B c'est pas mal je pense. En B c'est pas mal ouais. Okay. Il y a une HE au début du round. Je prends la vie sur le main B. On à droite. On peut repousser la visu en B là Cyril si t'avances. Ouais. T'avances, tu gardes la visu, tu. Okay. Comme je te montrais tout à l'heure, tu peux aller les chercher. Voilà. Dès que tu fais un kill, deux. Encore deux. Ah my. Encore un. Ah j'étais bien, fais chier, il m'a fait bouger. Dépêche-moi. C'est deux. C'est deux. Appuyez, attends, 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 attends. Ok, dépôt, l'autre. Lui, il arrive de dos. Il est là. Nice. Alors là, Cyril, Thomas, il veut trop te faire découvrir le jeu, mais normalement, tu dois jamais bouger. Je vais faire briller la Dragon Lore, je suis désolé. Il veut te mettre sous les projecteurs. Je vous laisse les projecteurs pour le moment. Allez, Cyril, tu le dis qu'il. Eh, je suis pas loin, hein. Quand il arrive à 13, j'arrête de parler. Viens, Cyril, vite fait. Je vais péter la smoke là. Prépare-toi, smoke là devant toi. Vas-y, vas-y. Fait. Bien joué,
Tu peux venir tirer de mid. Ok. Et tu scopes la double porte. Baron, bah. J'ai la double porte. Baron, bah. En cap, là, je crois. Tu peux tourner. Dehors, dehors, BP. T'es tous en 1, je crois. J'ai ta ligne. Je sais pas, pardon. Excellent ce blast de smoke. Ah, elle est belle. C'est quoi, c'est le start en A là? Il a jamais fait le start en A. Ouais, ouais, tu veux venir en A? Ouais, vas-y, je suis chaud. En vrai, je suis chaud de la prendre avancée. Ouais, fais ça, moi je mollo la ruelle en haut là. Ok. Jamais sur la station, il y a un mec close. Il y a du monde en B, ça pue. On dirait un speed B. Je tourne en B, j'ai smoke limité. Reste avec ta boulot occupé. On avance en A, on a pas de contact. Après, dans la cave, je pense. Peut-être cave. On a vidé d'abord. Dans la cave, forcément. On bloque avec Kav, on peut se bloquer à Ombé. Thomas, t'as vu. Ah, j'ai pris deux têtes. Nice. En vrai, je pense qu'on pourrait faire pareil. Tu peux avoir ouais. D'après mes calculs, il est à 4 kills, donc il reste 10 drones, donc 13, nickel. On est dans vos comptes. Je flash, oh, j'ai raté. Pas perfect, Tao. Traverse. Okay. Viens à ma place. Je vais smoker. Ok. Et regarde sur la porte. Ok, oh, ok. Ok, ça peut passer dans toi. J'ai tourné, Thomas, j'ai smoké. Passé. Ça passe. Ça fait toi, fais toi. Non, je rate toutes mes balles. Comment c'est pas passé? Viens Romain. Inquiète Romain. Coupe middle. Ah. Attention, le 3v2 ça peut aller vite. Si on a un au niveau de la porte, ça fight. Le kill est pris. Ah, la balle de la web qui est ratée, 2v1, attention. Nice. Putain, je comprends pas, mes balles elles sont pas passées là. C'est un problème de clics sur internet, t'as pas la type toi, c'est sûr. Bah, je suis à ADSL, c'est pour ça. Vas-y, je retourne B. Allez. Vas-y. Allez, faut que je me concentre. Là ils ont mis une smoke. T'as une flash, j'ai une HE. Je vais casser leur smoke et tu vas flash en même temps. Flash à un rebond là-bas. Ouais, rebond peu importe. T'es prêt? 3, 2, 1. Go. Bon, en bas. Peut-être plateau le dernier. Dommage. Je pensais que c'était le dernier, mais je suis pas content. Nice try. En vrai, je peux en jouer une à la M4 hein, pour changer un peu. Allez, vas-y. Comme tu veux, si tu veux jouer à la M4, tu veux. Il y a beaucoup de retake. Bah, tu peux aller te balader où tu veux. Cyril, viens qu'avec moi. À droite, côté B. Je vais juste flash, water. Encore tout droit, Cyril. Il y a smoke. Le mollo, il y a des flashs. GG, super. Je peux repartir. Non, je peux reculer avant le. Voilà, nickel. Non, GB, ça va aller. Ça va bien, B. Je suis blanc comme neige. Dommage. Ah, ils ont fait un de ces push. Il y a des flashs de partout, j'ai jamais vu autant de stuff. 2v2, oh là là, la retake incroyable. GG ça, en légende. On fait la même sauf qu'on va à droite. Un peu seul. Ouais. Vas-y, flash. Ouais, je l'ai raté. Je vois plus rien. Il y a un mec en B, mais je crois qu'il était tout seul. À droite, il m'a attrapé. Ça avance middle, ouais. Pour le H, je dirais. Un qui passe BP, ils ont smoke connecteur derrière eux. Il y a personne devant toi, je pense. Si, il y en a un, contact à moi. Ah, oui. Là, c'est sûr. Je slow quand même. Ouais, t'es bien, t'es bien. Albater, il est dans la smoke. Ah, il m'a fait peur. Après, il faut savoir que c'est une map très T-sided ici. Ah ouais? Ouais, c'est une map totalement T-sided. C'est la pause, on revient dans quelques instants. Tu t'ennuies sur Counter-Strike? Le jeu n'a plus aucune saveur? Alors fonce sur Hellcase pour ajouter du style à tes games. Hellcase, c'est le site numéro 1 de Case Opening. Après ça, plus d'excuses pour ne pas devenir toi aussi le numéro 1. Et nous revoilà pour la suite de cette formidable rencontre entre 3D Max et Adept eSport. On rush mid. Vas-y, tu cours par la gauche, tu suis tout le monde. Est-ce que vous voulez que je garde la bombe ou pas? Passe la bombe à Duko. Ouais. Bah, Lucky ou Duko. On court mid. Vas-y. Et on passe temple, ça? Ouais, on passe temple, ouais. Let's go! C'est parti! Ah putain, et regarde. Je suis passé derrière sans le vouloir. On se lave les pieds avant d'arriver sur l'épée. C'est quoi cette strat de zinzin? On a fait le tour du monde. Roma. Toujours Roma, je plante caché. Regardez la hauteur, je pense, Cyril. Ta mère, ça arrive pour toi, Cyril, derrière toi. Okay. Encore Romain. Oh non. Je vais passif. 1v2. 1v2, c'est planté pour toi en dessous là. À droite. 1v1. 1v1. Il croit que je suis naïf. Mal à lui. Ah, c'est honteux, je lui ai mis 3 l'autre.
Là c'était chaud, c'était un round important. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis pas donné. Il a fait un fake diffuse, donc il a fait semblant de diffuse. Sauf que je l'ai pas cru, je suis resté derrière. Et ça a fait la différence, on a gagné le round. Enfin rush A, tu cours couteau et tu suis, c'est tout. Ça et roule. Tu prends ton arme au dernier moment. Voilà un kill de Cyril. Voilà. Encore un kill de Cyril. Waouh, regarde ça, l'arabesque. On va faire les gars avec la cave comme ça, comment tu veux rater les mecs. Elle brille des mille feux. On va te faire découvrir un peu comment on se joue la cave. Vas-y. Si tu t'as juste à suivre Joko et tu le refrag. On va demander au mec du B de mettre du stuff pour nous, un peu pour nous aider, tu vois. Okay. On va essayer de se synchroniser et faire ça bien. Ah non, la cave. En vrai, tu fais un dégâts. On peut avancer. On va synchroniser, on va demander à Lulu qui est côté B là de mettre une molo de l'autre côté et nous on va mettre une molo à l'intérieur au rebond ici là. Un mid. Ok, je vais la mettre moi, tu peux rester à moi. Non, il a pushé B. Oh mince. Bien. Décale le B. Ok, je flash au rebond à gauche. Ouais, le flash est pas tout, le flash. On sort sur la flash. Ah ouais, off. Ah ouais. Là, ils ont tous tourné. Ils sont dans l'eau derrière vous, les copains. Ok. On peut les voir. CT, on va à droite. Encore un saut de CT. Ouais, rien de temps. Arrow B, Spintero. Spintero là, c'est des coups de chouette. Spintero, chassez-le. Yaaaaah. Le coup de couteau. Ah ouais, ils veulent pas. Ils veulent pas que tu arrives à leur quota. Lui, moi c'est 9, c'est pas 7. Laissez-le fraguer encore un petit peu. On peut se faire un petit round dans la cave. Cours tout droit dans l'eau, cours dans la cave et rentre dans la smoke. Côté gauche, côté droit, c'est toi qui choisis. Et en slow, rentre dans la smoke en slow. Le plus rapidement que tu puisses. Mar mid. Là tu slow maintenant. Tu peux avancer encore. Hey. Voilà. Voilà. Bien joué Cyril. Oh, frac. Nice. C'est pas grave. On les tue tous. La zone est quadrillée. La zone est quadrillée. Comment il va quitter le spot CT là? Cyril est en train de. Je fais un tour du monde. Cyril est parti à la chasse là. Moi je pense qu'il se cache. Oh. Ah il a la wave, c'est pour ça. Il est hauteur. Il est côté escalier hauteur. Il est parti plage la balle. Aïe. Tu vois, ça c'est pas bien. Faut jamais faire ce qu'ils ont fait là. Déjà, là on a plus de sous et dans un round on peut plus cacher. On go des kicks là ensemble, Cyril, ouais. Pierre et Thomas. Je peux flash instant. Un close. Ouais. Elle part. Non. France. Ils sont t-spawn. On va chasser. Chassons. Là, je fais un rebond et on saute, ok. Vas-y. Un 4, vas-y. Ah, il est en bonne après. Ouais. Arrêtez. Ouais, pas tous. Avant, pas droite. Pour toi, Cyril. Le mec, il a tiré. Il a tiré. Let's go, Cyril. Oh, la deuxième. Eh, je lui prends, zone AWAP. Je lui prends. Confisqué. Confisqué. Tu peux faire le truc qu'on a dit tout à l'heure. Tu cours côté B et tu piques direct le BTB. Ouais, ouais. Le flash. Et je reflash. Non. Egypte. Ah, Egypte, ouais, ah, il m'a eu. Fuck. Ils sont deux. Fui. Non, il PGM du jeu. Oh non. Oh, s'il te plaît. Wow. Là c'est le move qui va faire la différence hein. On est passé en 2v2, la bombe est plantée sur le A, il y a Inawap qui va pouvoir prendre la ligne. Ils ont pas beaucoup d'HP, là il y a un HP quand même chez Lucky, mais ça peut le faire. Et il y a le kill hein, qui a été pris. 1v2 avec un HP, ça va être compliqué. C'est maintenant pour Lucky qui va tenter de défendre le site. Ça arrive à droite, ça ne pardonne pas, monsieur. C'est bien, peut-être que je vais pouvoir passer les 10 kills comme ça, ça m'arrange. Mais de toute façon, là, ça s'arrête pas. En gros, même s'il y a 13 et tout, ça continue. Ah bon? Ah, donc quoi qu'il arrive, on fait 24 rounds. Ouais, c'est ça. Ok, c'est comme ça, ouais. Moi je débarque. Thomas, Cyril, venez côté mid. Prends-moi tout. On va prendre le mid. Bien sûr, ils ont décliqué le mid. Je vais flasher à droite, les gars, ok? On va y aller. Ok, vas-y, du haut. On peut passer. C'est parti. Temple, y'en a un. Ah, c'est dur. Temple 1. Et on joue le temple, Cyril. Pas mal. On va en B, bien Cyril. De l'OB, c'est l'OB max. Attention. Et je plante direct. Un cave. Y'en a un qui va être spoté rapide. Ah, la WAP, sa mère. Allez, c'est la défense du site. Oh, le turn qui a été mis par Gotesque. Attention, le 2v1. Ouah, la tête qui a été prise. Ouh, ça va être compliqué. C'est planté derrière en plus. Ça tente le diffuse. Oh, il qui est pris à la MP9, c'est maintenant. Oh, il fait le move. Mais tu m'as dit deux caves du coup. Il l'a pas. Il l'a.
C'est honteux. Ah, c'est honteux, putain. Tu prends la ligne de la cave. Peut-être tu vas dans les escaliers terreaux à droite et peut-être tu vas se donner. Ma vie dépend de toi, Cyril. Si tu rates ton tir, Thomas, il meurt 100%. Tu es entre de bonnes mains. C'est la fade. Elle fait un peu moins peur. Elle fait un peu moins peur. Elle fait plus de dégâts par contre. Ah, ils ont smoke Roma, première fois, bizarre. Garde la ligne, Cyril, je vais mollo, il y a peut-être des câbles. Roma. Deux Roma, deux en haut. Ah, je l'ai joué, j'arrive pas à la prendre. C'est parti pour le 2v3. Là, ça va être très compliqué. On a Gotes qui a seulement 19 HP, qui est bloqué dans le mid. Et on va voir s'il arrive à passer dans le A. Il y a une AWAP normalement sur le A. Peut-être qu'on peut bouger. Oh là là. Grosse erreur en face, la bombe est plantée. Il y a une AWAP qui va pouvoir bien défendre derrière. C'est tout. Oh la dinguerie. Là, il y a un manque de concentration évident. Et c'est le kill qui est pris, le 1v1. Oh là 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 là, les jambes de Lucky. Pourtant, c'est pas la fade. Eh les gars, je suis bloqué là à 9, c'est terrible. Deux, 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 deux. Encore un. Encore un, Cyril. Oui, Cyril. Hop, un. On fait quoi, Cyril? On le joue, voilà. Il est peut-être reparti à droite. Plateau, plateau. Ouais, je plante. Cyril, tu te penses à tuer des gens, Cyril. Ton monde brillait. Ah, Roma. Non. Roma. Allez, prends pas 90 Kevlar et bonne chance à toi. Et tu cours à Cyril. Cyril. Moi, je touche pas à ça, gros. Si, 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 t'inquiète. Courant, courant, courant. Prends Kevlar, courant. T'inquiète, t'inquiète. Y'a un mec là à gauche. Allez, encore un, traverse ensemble là. Allez, Cyril, allez, Cyril. Ça se peut-être. Ouais, il y a du mensonge. Il est disparu, c'est trop bizarre. C'est du mensonge. C'est quand même un peu bizarre. Hauteur, deux hauteur. Ah, j'ai pas eu. Deux trans, deux hauteur. La tête de Nitro. Oh la 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 la. Aïe. Et c'est le dernier round, 9-14, c'est le 1v1. Ah, encore un. Ils ont tué. C'est pour recharger. Et c'est le dernier round, 9-14, c'est le 1v1. GG. Belle petite victoire. Ouais, j'ai été PL là, 29-16. Ouais, j'ai bien commencé, mais là, sur les derniers rounds, c'est dur de suivre. Non, mais c'était trop cool. Merci beaucoup, les gars, pour cette petite game. Ça va, je vous ai pas trop freiné. Non, c'était cool, c'était amusant. On fait le tournoi en Roumanie là dans 2 semaines. Et c'est le tournoi qui permet d'accéder au major. Et vous le sentez bien? Stressé? Ouais. C'est un gros événement, mais ouais, on le sent bien. Parce que moi, je peux venir faire des blasts si vous voulez. S'il y a besoin pour gagner. Franchement, c'est des blasts. Un tout petit peu plus. Quoi. En fait, on cherche un blaster. Ouais. Un blaster, moi, je prendrais bien ta dragon là, mais plutôt que la blast. Vous préférez le skid ou le joueur? J'apprécie beaucoup ton content, mais l'arabesque... Faut un peu de l'œil. Non, mais je vais m'entraîner encore un petit peu et voilà, on verra ce que ça donne. Messieurs, dames, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Un grand merci à la 3D Max, franchement, qui m'a permis de vivre cette expérience. Moi, j'adore. N'hésitez pas à leur donner de la force. C'est quand même une équipe française. Et dans la description, vous retrouverez aussi leur réseau pour les suivre. Tout sera dans la description. Encore merci à Alcase d'avoir sponsorisé cette vidéo. Foncez sur le site et utilisez mon code promo CyrilMP4. Avec les 70 centimes offerts, vous pouvez déjà ouvrir des caisses gratuitement et obtenir des skins. N'oubliez pas le like et le commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.